La reine de la pop est de retour. Alors qu'elle fête ses 65 ans, ce mercredi 16 août, Madonna a fait une grosse frayeur à ses fans au début de l'été. Le 24 juin dernier, la chanteuse a été retrouvée inconsciente dans son appartement de Manhattan. Transportée d'urgence dans un hôpital new-yorkais, elle a été admise en soins intensifs. L'interprète de Like a Virgin souffrait d'une grave infection bactérienne comme le révélait son manager, Guy Oseari. Quelques jours après son hospitalisation, qui l'a contrainte à annuler sa tournée mondiale The Celebration Tour, Madonna a assuré être sur la voie de la guérison. En effet, l'interprète du titre Music se sent beaucoup mieux et a dévoilé les prochaines dates de sa tournée. Ses concerts américains débuteront le 13 décembre à Brooklyn. Des shows prévus le 22 décembre à Nashville, le 15 janvier à San Francisco, le 18 janvier à Las Vegas et le 20 janvier à Phoenix ont cependant été annulés pour des raisons de planning. Ont dévoilé nos confrères de BFM Télévision, ce mercredi 16 août. Et pour ses grandes retrouvailles avec son fidèle public, la maman de Lourdes Léon a vu les choses en grand. La star internationale a loué les plus grandes salles de spectacle pour entonner ses plus grands succès. Non seulement elle a loué le Coliseum à New York, mais elle a également loué une deuxième salle à Londres pour la dernière semaine de répétition générale, a révélé le journaliste Simon Boyle dans les colonnes du Sun, le lundi 14 août. Une source proche de la chanteuse a même confié au tabloïd britannique que Madonna a hâte de reprendre les répétitions. Une annonce qui confirme les dires de l'icône de la pop. Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, la Material Girl a partagé une heureuse nouvelle. Bientôt, très bientôt, je vais voyager vers vous, a-t-elle écrit avec un véritable enthousiasme. Une publication qui a dû rassurer les nombreux fans désireux de retrouver la chanteuse sur scène, prochainement. Supérieure à Madonna, retour sur son évolution physique. Madonna rayonnante au Portugal le mois d'août est placée sous le signe des anniversaires pour Madonna. Le 11 août dernier, son fils Rocco a soufflé sa 20e bougie. Pour cette occasion, la chanteuse a emmené toute sa petite tribu au Portugal. Très active sur les réseaux sociaux, l'ex-femme de Guy Ritchie a partagé les festivités dans une story Instagram. Sur un premier cliché, ses abonnés ont pu la découvrir souriante et lumineuse aux côtés de son fils. Dans les rues portugaises, Madonna resplendissait dans une longue robe portefeuille à l'imprimé fleuri. Une robe estivale qu'elle a associée avec une paire de mulets et des lunettes de soleil à la forme œil de chat XXL. Avec cette nouvelle apparition, Madonna montre que ses problèmes de santé sont bel et bien derrière elle. Crédit photo, Walter.